c'est ça aussi, je voulais taper moi. Aujourd'hui, les salariés de la Coopère l'ont débrayé parce qu'on a déjà perdu du temps de pause qui n'est plus payé. On est obligé de faire des heures supplémentaires. Nos conditions de travail se sont dégradées puisqu'on est passé de 650 ports à 700 ports heure, voire plus, puisqu'on a des pointes de temps en temps. Les gens sont morts physiquement, psychologiquement, ils sont en souffrance puisqu'ils ne sont pas reconnus. Et aujourd'hui, les NAO, la direction, nous propose un gel des salaires, un recalcul de la prime de 13e mois et d'ancienneté à la baisse, l'inclusion de certaines primes dans le taux horaire, ce qui est dangereux puisqu'on perd nos primes. Notre salaire, le taux horaire augmente, mais du coup, on n'a plus les augmentations conventionnelles ou du SMIC. Je crains, sans vouloir vous provoquer, que ça ne serve pas à grand-chose, mais je suis là pour vous donner, non pas aux organisations syndicales, parce que les organisations syndicales, je les vois demain. Je les vois souvent, et donc je vous mettrai mon argumentation auprès des organisations syndicales demain, mais je voulais vous voir tous, bien souligné, pour pouvoir vous expliquer la manière dont je vois les choses.